Qui es-tu, Roger Castel? Eh bien, d'abord, Rodolphe, je veux vraiment t'exprimer mon remerciement de m'inviter à m'exprimer sur moi-même. C'est sans doute une des premières fois de ma vie, bien que ma vie ait déjà une certaine durée. Et je suis actuellement le président de l'association du bioélectronique. Et je dois dire que rien dans ma vie ne m'appelait à prendre une telle fonction, puisque l'association du bioélectronique est une association de recherche scientifique. Et que mon parcours n'est pas du tout dans cette orientation. Autrement dit, si les choses de la vie m'ont amené à prendre cette fonction, c'est qu'il fallait que je le prenne, puisque ça m'a dépassé véritablement, mais ça m'a aussi passionné, et c'est pourquoi je le fais avec un grand plaisir. Ma vie, en effet, était totalement orientée vers plutôt la littérature, et j'ai été appelé, donc, dans ma vie, à exercer d'abord, au sortir de la scolarité secondaire, la fonction d'instituteur, ce qui m'a appris à parler, ce qui m'a appris à m'intéresser aux autres, ce qui m'a appris aussi à structurer mon travail, et ça m'a discipliné, et ça m'a apporté énormément. J'ai exercé cette fonction pendant 6 ans, et ça m'a apporté beaucoup. En cours de ces 6 ans, j'ai eu 2 ans de service militaire, dans une partie en Algérie, au cours de la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, et là aussi j'ai appris beaucoup de choses. Puisque les journées, par exemple, étaient souvent sans rien faire, et moi, parce que j'étais passionné par l'écriture et la lecture, j'ai pris des cours par correspondance à l'Institut Exelmann, l'Institut de sciences universelles qui existait à l'époque à Paris, et j'ai fait un enseignement de philosophie. J'ai appris plusieurs Didier Roustan, Machiavel, etc., enfin, qui étaient dans le programme, bien sûr, et tout ceci. J'ai essayé d'utiliser le temps qui était souvent perdu parce qu'on n'était pas toujours en activité sur le plan militaire et donc ça m'a permis, ça m'a structuré là aussi. Puis, quelques années plus tard, je me suis orienté vers la psychologie car l'être humain me passionne et m'a passionné. Donc, j'ai fait des études à Paris, à la Sorbonne, et j'ai donc les diplômes de psychologue qui m'ont permis d'exercer la fonction. Je me suis orienté dans cette orientation vers 2 domaines particuliers. Parce que ça me semblait important, le problème du sommeil et de l'insomnie, et le problème de la dépression. Et le problème de la dépression, bien sûr, m'a amené à mieux comprendre pourquoi les gens étaient en dépression, des raisons psychologiques, mais aussi, je me suis rendu compte, des raisons physiologiques. Pour le sommeil, c'était pareil. Il y avait bien des raisons psychologiques aux insomnies, mais il y avait également des raisons physiologiques. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie. La naturopathie, grâce à une conférence sur les maladies de peau. Moi-même, j'avais 32 ans à l'époque, j'étais à Paris, j'avais des problèmes de peau qui n'arrivaient pas à se résoudre avec les antibiotiques en pommade que je prenais. J'en ai pris des kilos et des kilos, sans doute, enfin des quantités considérables pendant 5 ou 6 ans. Et en l'espace, tiens-toi bien, Rodolphe, de même pas 8 jours, le problème était résolu par la naturopathie qui consistait à simplement avoir compris quelle était l'origine profonde de ce problème de peau et qui s'est résolu en 8 jours, alors que ça faisait plus de 10 ans que je traînais de médecins, de spécialistes au CHU de Limoges, Paris, j'en ai fait plusieurs. Là, en 32, c'était en 68. Donc je suis né en 1937. Et 30 avril 1937, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Je suis un taureau, un vrai taureau, qui suis bien ancré sur la terre et heureux d'exister aussi. Je suis quelqu'un né au printemps, donc avec beaucoup de vitalité. Heureusement, je l'utilise cette vitalité justement pour enseigner, parce que tu vas voir que tout m'est tombé comme un cadeau, une succession de cadeaux. Donc j'ai appris par la naturopathie et c'était grâce à Pierre Marcheseau, qui était mon technicien, je dirais, de la santé. C'est lui qui m'a enseigné, il m'a dit, bon, vous avez 32 ans, mais en l'espace de 8 jours, si vous faites votre problème de peau, il n'y a plus rien. Et c'est en l'espace, donc j'ai fait un jeûne de 8 jours, et puis le problème de peau était complètement résolu. Alors, si bien que ça m'a tellement interpellé, intéressé, passionné, que j'ai dit, mais professeur Marcheseau, mais pouvez-vous me dire, est-ce que tous les problèmes médicaux peuvent se résoudre si facilement? Il m'a dit, ça dépend bien sûr de l'âge de la personne, ça dépend de sa vitalité, ça dépend aussi du problème, évidemment. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux devenir votre élève? Et je suis devenu donc son élève,
J'ai appris au cours de la formation de naturopathe, qui durait 3 ans à l'époque à Paris, et j'ai eu un grand bonheur d'apprendre les règles de santé naturelle qui m'ont permis de devenir un naturopathe. Donc après psychologue, je suis devenu naturopathe. Quelle année? Donc c'est en 68 j'ai été à la découverte, et c'est en 76 que j'ai commencé. Et là, en 76, j'ai fait connaissance avec la bioélectronique Vincent, au cours d'un congrès de naturopathie à Paris, boulevard Exalman, dans un grand hôtel. J'ai rencontré pour la première fois le professeur Vincent. Alors, le professeur Vincent m'a ébahi dans une démonstration fulgurante, un passionné, montrant les bases de la bioélectronique, qui m'a semblé être une justification scientifique de toutes les informations que j'avais apprises au cours de ma formation de naturopathe. Alors là, ça a été pour moi un cadeau. J'ai pris contact évidemment avec le professeur Louis-Claude Vincent, qui m'a reçu, avec lequel j'ai eu une correspondance, puisqu'entre-temps, j'étais en train de préparer un doctorat de naturopathie qui avait pour thème le sommeil, qui est devenu d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le sommeil naturel ». Et ce sommeil, j'ai eu une correspondance parce que je voulais voir si la bioélectronique pouvait m'expliquer un peu mieux quel était le fonctionnement du sommeil, qu'est-ce qui se passe au cours d'un sommeil. Et là, il m'a expliqué, avec toute sa compétence, bien sûr, comment la bioélectronique pouvait expliquer le phénomène et les mécanismes du sommeil et le pourquoi des insomnies. Alors pour moi, ça a été une révélation là aussi importante. Et puis, quelques années plus tard, j'ai découvert Pierre Brissy, qui était un naturopathe, qui m'a initié aussi à la maîtrise des mesures bioélectroniques. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rencontré Jeanne Rousseau. Vers quelle année ? Dans les années 94. Mais je connaissais Jeanne Rousseau par ses écrits, évidemment. J'étais ébloui par son intelligence. Et j'ai écouté donc les conférences de Louis-Claude Vincent, qui sans cesse parlait de Jeanne Rousseau. Dans les conférences de 76 auxquelles je faisais référence tout à l'heure, Il a parlé à plusieurs reprises, Jeanne Rousseau, l'intelligence de Jeanne Rousseau, dit bien que moi j'étais déjà préparé à avoir une collaboration de plusieurs années, de près de 20 ans avec Jeanne Rousseau, puisque quand je l'ai connue en 94, elle avait déjà une notoriété, elle était bien sûr un peu dans la réserve, puisqu'elle avait créé l'association de bioélectronique en 1989, mais déjà il y a eu une collaboration, puisque moi je l'ai invitée dans la ville de Segré où j'étais, où je réside, et je l'avais invité à faire une conférence sur l'eau. Donc il y a eu un lien de sympathie qui s'est créé aussitôt, et dès qu'elle a eu un problème à propos de l'association, elle m'a appelé pour la seconder. Et je suis devenu donc... je voudrais dire que j'ai été aussi le second de Pierre Marcheseau, puisque après mes études de naturopathe, jusqu'en 76, je suis devenu, dans les années 80, 81, un de ses bras droits. En particulier, comme j'étais psychologue, chargé de cours à Paris, au Collège de naturopathie de Paris, je suis devenu chargé de cours de psychologie, bien sûr, pour enseigner la psychologie aux futurs naturopathes. Donc, si vous voulez, il y a dans mon chemin une succession de rencontres extraordinaires d'hommes merveilleux, Louis-Claude Vincent. Dans le domaine de la psychologie, j'ai rencontré René Zazot, qui était pour moi un homme formidable. J'ai eu également des contacts avec Paul Diel, un psychologue de grande qualité. Donc, si vous voulez, ma vie a été une succession de rencontres merveilleuses. Et je remercie tous les jours et tous les matins au réveil, bien sûr, parce que je sais que l'existence, elle est fragile, mais elle est aussi à la source de rencontres étonnantes qu'on ne peut pas toujours programmer, mais qui sont là, si on est bien attentif, pour les recevoir. Ce sont des cadeaux de la vie, et la vie ne arrête pas de nous donner des cadeaux. Et je remercie l'existence, bien sûr, de m'accorder, à mon âge de 76 ans, autant de vitalité que j'utilise, bien sûr, dans les conférences ou dans les écrits que je fais, puisque j'ai écrit un livre sur la bioélectronique Vincent, un livre sur la bioélectronique Vincent, pour rendre hommage à Louis-Claude Vincent, qui a créé Jeanne Rousseau, et puis tous les naturopathes et tous les bioélectroniciens qui ont travaillé, dont bien sûr André Fougerousse, dont Daniel Pinon qui est décédé, que je regrette beaucoup, et tous ceux qui ont travaillé.